L'inconfortable, le podcast haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Dans cet épisode, on traite de la fétichisation des femmes racisées. En effet, si la racisation peut mener à la discrimination, elle peut également engendrer la fétichisation, c'est-à-dire le désir sexuel et ou romantique d'une personne A envers une personne B en fonction de sa supposée appartenance raciale. Ainsi, lorsqu'on fétichise une femme pour son ethnotype, on valide inconsciemment les catégories raciales en la réduisant à un simple objet d'exotisme. Cet épisode interactif aborde trois profils de femmes fétichisées, la femme asiatique, Anna Morel, la femme orientale, Kaziwa, et la femme afrodescendante noire, Faiza. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast. On a une nouvelle invitée, Anna, et on va parler aujourd'hui de la fétichisation des femmes racisées. Et du coup, Anna, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je te regarde là-bas. Tu regardes comme tu veux. Ok. Ouais. Alors, je m'appelle Anna, j'ai 25 ans, je viens de Bulle, 1630 RPZ, les gars. Hey Représente. Je suis désolée, j'étais obligée de le mettre. C'est clair. Et je suis juriste. Voilà. Ok, cool. Du coup, en fait, on va te poser la question qu'on a posée aussi à nos autres invités, qui est comment est-ce que tu te situes sur le plan racial? C'est-à-dire, deux questions. Une, comment est-ce que tu t'identifies? Et deuxième, comment est-ce que tu penses être perçue par la société? Alors, je pense que... En fait, je sais pas exactement comment je me perçois, dans le sens où, comme j'étais adoptée, j'étais éduquée par des gens qui sont blancs, j'ai un entourage principalement blanc. J'ai suivi des études où majoritairement il y a des blancs. Et forcément je m'identifie à eux parce que c'est ma culture. Ma culture elle est entièrement suisse. J'ai absolument pas de culture, si ce n'est quasiment pas de culture asiatique, vietnamienne. Et donc je sais très bien que je suis pas blanche. Je sais très bien que je correspond pas à ce qu'on attend d'un Suisse. Mais en même temps je me sens pas asiatique non plus. Je suis vraiment entre deux, donc je saurais pas si je devais choisir maintenant à qui je ressemble le plus. Psychologiquement, je sais pas. Ouais, ouais. Mais la manière dont tu es perçue... La manière dont je suis perçue, c'est clair que je suis perçue comme étrangère. Comme une femme qui a marié un homme suisse. C'est ouais. Horrible de dire ça, mais ouais. C'est vrai. On va jamais me percevoir comme quelqu'un de suisse. On va jamais imaginer une seconde que j'ai mes papiers suisses. Que ma culture est suisse et que j'ai une culture entièrement blanche. Tellement. Ça, c'est sûr et certain. Et du coup, ce qui nous amène sur la thématique d'aujourd'hui, le simple fait d'être une femme racisée en Suisse ou ailleurs, dans des pays occidentaux blancs, justement, ça va faire que tu vas être perçue d'une certaine manière au travers à la fois de ton genre, qui est d'être femme, et de ce qui est perçu comme ta race, c'est-à-dire être asiatique. Ouais. Et donc, en fait, il y a cette intersection de discrimination qui fait qu'on va amener jusqu'à la fétichisation. Donc, la fétichisation des femmes racisées, c'est le fait de... Enfin, Faiza, je pense que tu saurais le décrire encore mieux que moi. Ouais, c'est vraiment la double peine, en fait. C'est non seulement subir des discriminations parce que tu es une femme, et par-dessus, tu rajoutes une bonne couche d'objectification par rapport à ta race. Ouais. Du coup, les gens vont toujours se comporter en fonction de comment ils te perçoivent avant tout. Et particulièrement si tu corresponds au canon de beauté ou au canon de stéréotype sexuel, là c'est... C'est ça. Là c'est ça. Vraiment... Donc il y a une domination à la fois raciale et genrée en fait. Quoi. Complètement, complètement. Et du coup, par rapport aux personnes asiatiques, aux femmes asiatiques, on voulait savoir déjà quels sont les stéréotypes répandus de fétichisation sur les femmes asiatiques dont tu sois au courant. Et ça c'est dans un premier temps. Et ensuite, Faiza pourra te poser la prochaine question. Alors j'ai pas vécu tous les stéréotypes, fort heureusement. Mais je pense que principalement, ce qu'on dit des femmes asiatiques, c'est qu'elles sont très dociles, qu'elles posent pas de questions, qu'elles ferment leur gueule, que c'est des bonnes épouses. Que c'est des femmes que tu peux totalement marier, elles vont rester avec toi quoi qu'il en soit. Donc une sorte de fidélité, loyauté extrême. Souvent, on les associe à des pauvres filles aussi, donc dans le sens où si elles sont en Suisse, c'est qu'elles ont marié quelqu'un de riche et qu'elles sont dépendantes économiquement, donc forcément, elles vont encore moins partir. Après, vas-y, il y a tous les stéréotypes sexuels, genre les petites chattes, les petits corps,
que voilà, c'est des meufs totalement dévergondées sexuellement dans l'intimité. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore je sais pas moi. Ah oui, que c'est des femmes qui, pour de l'argent, sont capables de tout faire. Ouais. Surtout. Ouais. Surtout, je pense que c'est le plus gros stéréotype qu'on a. Qu'elles se respectent pas, que bah justement la docilité se retrouve aussi dans la sexualité, dans le sens où tu peux imposer n'importe quoi à une femme asiatique, elle va dire oui. Elle va jamais se plaindre, ouais. Elle va jamais se plaindre. Enfin, limite, soit elle accepte volontiers, soit même si elle est pas d'accord, en fait elle le fera en fermant sa gueule. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Franchement, c'est à peu près tout. Après, il y a aussi des stéréotypes positifs. Sur la communauté asiatique, qui travaillent bien, que c'est des gens qui sont hyper investis dans leur travail. On a aussi ce stéréotype de la petite fille asiatique, toute choue, intelligente, qui va à l'école, qui fait jamais de bêtises. Enfin, il y a un peu deux extrêmes, je trouve, dans ce qu'on peut imaginer des asiatiques et plus principalement des femmes asiatiques. Clairement. Ouais, ok. Et du coup, par rapport à tout ça, d'un point de vue de la fétichisation, donc là on va plus sur un terrain relationnel, sexuel, c'est quoi du coup les stéréotypes dont tu as été le plus souvent confrontée, ou bien que tu as entendu, que tu as vécu, dont tu as été témoin? En fait, presque tous les commentaires racistes que j'ai eus, c'était sur un background sexuel. Quasiment tous. Ouais. Vraiment, j'ai rarement eu d'autres commentaires racistes. Juste purement raciste, ouais. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y avait toujours cette dimension sexuelle. C'est fou. Et je pense que ça a commencé quand je devais avoir 13 ou 14 ans. Parce que t'es une femme et parce que voilà. Tu corresponds au phénotype attendu d'une femme asiatique. Exactement. Et il y a un peu ce phénomène qui est un phénomène, c'est factuel. C'est-à-dire qu'en tant qu'asiatique, on ne sait pas quel âge on a vraiment. Donc moi, j'avais 14 ans. J'ai entendu des choses, on m'a dit des choses. J'étais choquée parce que les gens pensaient que j'étais plus âgée, par exemple, tu vois. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour autant ok en plus. Non, c'est absolument pas ok. C'est encore pire quand t'as 14 ans. C'est ça. C'est absolument pas ok, mais dans le sens où c'est vrai que j'étais confrontée tôt parce que je pense qu'il y a aussi ce fait-là. On ne sait pas quel âge t'as, donc on se permet tout et n'importe quoi parce que probablement t'as plus de 16 ans et voilà. On a vécu ça aussi, je pense. Hein, moi j'étais très tôt sexualisée. Ouais. Ça, c'est hyper vite. Hein, on attend ça de nous, on dirait. C'est vrai. C'est genre, ça, c'est vrai. Tu dis, putain. Ouais, vraiment très très tôt. Tout d'un coup, j'ai vu que mon corps avait une influence sur les hommes et tout, et puis que ça leur déplaisait pas et que du coup, je devais me comporter en fonction de ça. Et j'ai un peu flippant. Compris que je devenais une femme à cause du regard des hommes. Dans la rue, les gars qui avaient genre 30 piges. Totalement. J'en avais 14 et puis ils te matent ou quoi. C'est vrai. Et le regard extérieur en fait à ta sphère. Parce que finalement dans ta sphère, t'as 14 ans, ta famille, tes amis, ils ont 14 ans. Complètement. Et ils te sexualisent pas en fait. Okay. Donc t'es sexualisée par des gens externes à ton cercle. Ouais. Et c'est proche, tellement en fait. Étrange comme expérience. Moi je me souviens ces premières fois, c'était genre mais qu'est-ce qui se passe? En plus t'as honte. Mais bien alors sûr que c'est, pas ta mais c'est de ma faute. Mais t'as l'impression que c'est ta faute quelque part. Exactement. Parce que c'est tellement. C'est très. Déconcertant comme pouvoir d'avoir ce genre de pouvoir sur les hommes, entre guillemets, et de savoir que tu provoques ce genre d'émotion chez eux à l'âge de 12, 13, 14 ans, c'est hyper déroutant quand même. Clairement. Et ça se répercute, je pense, aussi sur l'acceptation de ton corps, finalement. Exact. Parce que si ta première expérience avec ton nouveau corps de femme, c'est une expérience qui est sexualisée et d'objectification humiliante, ça va être difficile pour toi d'accepter le corps que t'as en fait. Oh mon dieu, qui a été vraiment l'expérience de notre life. Complètement. Voilà, combien on avait jamais parlé, mais du coup on ressent la même chose. Exactement. Non mais c'est ça, hein. Combien de fois on essaie de cacher nos seins, nos bouches, c'est ça, c'est ça. À très très jeune âge. Parce que t'as l'impression qu'en fait quelque part s'il y a eu ce regard, c'est parce que toi t'as manqué de pudeur. Exactement. Alors que c'est vraiment vrai. C'est tellement ça. C'est vrai. Parce que après, c'est excusé en fait. Oui, c'est ça. Excuse-moi d'avoir un corps de femme. Ouais, quoi. C'est ça. Et aussi, après, je pense qu'il y a aussi. Enfin, pour ma part, et j'imagine que c'est la même chose pour vous, il y a le fait que. On est formé plus tôt. Oui. On est. On devient des femmes plus tôt. On est d'accord. On plus tôt. Ouais, je sais pas du tout s'il y a des chiffres qui appuient ça. Ouais. En tout cas, pas, mais dans mon entourage, ça a été souvent le cas. Pareil. Après, peut-être. Ah, je sais pas. Après, peut-être les standards sont aussi pas les mêmes. Je sais que chez les femmes kurdes, avoir des gros seins, c'est assez commun. C'est commun, ouais. Donc, je sais pas du tout. Ouais. Mais je pense qu'il y a ça, tu vois, la génétique qui fait que. Exact. Enfin, même.
même indépendamment du regard que les autres te portent, il y a aussi cette transformation interne beaucoup plus tôt que tes copines ne vivent pas forcément et qui amplifie le fait que tu te mets en marge en fait. Totalement d'accord, totalement d'accord. Surtout, j'ai l'impression que j'ai mûri un peu plus vite que mes copines à cause de mon identité de race qui te force à grandir plus vite parce que tu te rends compte plus vite de certaines choses et du coup ben tu deviens plus vite à maturité et puis pour d'autres facteurs du coup, alors clairement qu'il y a cette transformation intérieure et puis c'est un tout, c'est vraiment un packaging où tout d'un coup voilà t'es confronté à l'intérieur à l'extérieur, tu prends tout dans la face et t'as pas le choix d'accepter en fait. C'est un peu triste mais... exactement, t'as pas trop le choix et du coup demande-lui Et oui, et du coup, je voulais aussi savoir, d'un point de vue relationnel, quand du coup, tu vas rencontrer des nouvelles personnes et tout, est-ce que tu es un peu self-conscious de ton identité de race? Est-ce que tu t'attends à ce que les premières rencontres soient teintées de... Non. Non, c'est tout bon, ça, Parce que, comme je disais, comme j'étais éduquée avec des gens... Enfin, par des gens qui étaient extrêmement bienveillants, qui ont toujours pris en considération mon identité et ce que je pouvais renvoyer comme image, et qui ont toujours été très... on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, j'ai pu poser mes questions. Enfin, on avait une parole très libérée à la maison. Du coup, pour moi, rencontrer des nouvelles personnes, il n'y a pas cet obstacle-là. Après, je ne dis pas qu'il n'existe pas. Il existe, mais si je rencontre des personnes un minimum... normal. Normal. Non, mais c'est vrai. Ça n'intervient pas du tout, en fait. Parce que, comme j'ai pas cette propre image de moi, comme je disais, comme je sais pas exactement où je me situe, j'ai pas. Je renvoie pas ça sur les gens, en fait. Et, les relations amoureuses Pareil, hein. Ça va, t'es jamais tombé sur des gens qui t'ont objectifié C'est vrai que c'est pas la même chose, C'est pas la même chose, mais si, ça m'est déjà arrivé d'être, enfin, de rencontrer, par exemple, des gens qui avaient cette tendance-là. Maintenant, après, ils sont pas restés très longtemps dans ma vie, ça, c'est sûr, Et après, c'est pas des gens avec qui, que j'ai vraiment fréquenté ou qui sont rentrés dans ma vie intime, quoi qu'il en soit. Clairement. Donc, Est-ce que tu as des anecdotes à raconter à propos de mauvaises aventures que tu as eues avec de la fétichisation ou du... ta race. Tout confondu. En fait, je pense qu'il faut que je dise aussi un truc, c'est que comme mon entourage est blanc, que j'étais adoptée, etc., j'ai des comportements de blanche dans un corps asiatique. Déjà, ça c'est particulier, tu vois. J'ai résumé. Et ça fait que quand je vais au Vietnam... Bah pareil en fait, il y a une non-acceptation. En fait j'ai l'impression de ne pas être acceptée quoi qu'il en soit partout où je vais. Je connais ça. Et ce qui fait aussi que forcément... Quand je parle la langue et tout. Moi je ne parle pas, alors tu vois c'est encore rien. On crame direct que je suis ici. Ça se voit en vrai. Et du coup c'est particulier parce que ici t'as cette fétichisation de la femme asiatique et tout, mais en Asie c'est pareil en fait. C'est pareil dans le sens, mais enfin pas dans le même sens, mais c'est pareil dans le sens où si t'es avec un blanc, ils vont penser la même chose que toi, que les blancs ici pensent de toi. C'est dingue. Et c'est vraiment particulier, je trouve. Et là, j'ai une très bonne anecdote. Meilleure anecdote de ma vie. On est prêts. J'étais avec mes parents en fait au Vietnam, comme je disais, on a toujours eu... une approche très claire avec mon pays d'origine et tout. On y allait deux fois. J'avais 17 ans là, on était dans un endroit connu pour être balnéaire, et si vous voulez c'est un endroit qui est balayé par la mer de Chine, donc c'est vraiment des vagues, tu te les prends dans le visage mon gars, t'es retourné, vraiment, t'es pas bien tu vois, et on était sur la plage avec toute ma famille. Et je sais pas pourquoi, j'avais décidé de pas suivre le timing, tu sais, puis d'aller me baigner genre 4 heures après les autres. J'étais extrêmement chiante, voilà. Et mon père, il me dit, ah ouais, tu peux pas y aller toute seule et tout, c'est dangereux. Donc il vient avec moi. Et donc on traverse toute la plage, on rentre dans l'eau, et là j'ai mon père qui me prend la main, mais genre comme ça. Mais vraiment, il me donnait pas la main, il me tirait dans l'eau pour pas que je me fasse ramasser. Et là, on a vu tous les regards asiatiques. Blanc, tout ce que tu veux, hein. Tous les gens qui étaient sur la plage nous ont regardé. Mais mal. Mon père avait 50 ans, à peu près 50 ans. J'en avais 17. Et alors là, vraiment, je pense qu'on m'a jugée sur 4 descendants, les gars.
c'est vraiment juger sur quatre descendants. J'ai jamais entendu ça, mais c'est tellement mais ça. C'est bien ça. Et quand on est retourné à la plage, donc déjà mon père, il rigolait, il était là, regarde Anna et tout, les gens comment ils nous regardent et tout. Et en rentrant sur la plage, là vraiment, les gens nous fixaient et ils nous suivaient du regard. Donc vraiment, et c'était jugeant de ouf, tu vois. Et quand on arrive à la serviette, là où il y avait ma mère et mon frère, on a vu tous les gens se remettre en question. Mais c'était incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient qu'est-ce là. Qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Matrix, ils étaient là. Attendez. Est-ce que c'est une orgie? Ouais. Oh, genre, ou est-ce que c'est une famille? Mais... Que sont-ils? Mais vraiment, ils étaient. Quelle est cette entité? Exactement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de tourisme sexuel. Énormément, en Asie. Ouais. Énormément. Énormément. Et beaucoup, beaucoup aussi par rapport à tout ce qui touche aux enfants et tout. Ouais, bah justement, quand voilà. On parlait avant de la sexualisation très très jeune, je pense c'est qu'il y a aussi vrai. De ça. Clairement. Malheureusement, il y a un tourisme sexuel qui est hyper présent. Il y a un marché pour ça, principalement ouais. Sur les enfants. Exactement, c'est dégueulasse, c'est vraiment affreux, dégueulasse. Ouais, ouais. Et, c'est vrai ouais. Que ça fait sens. Tout à fait. Ouais, ouais. Bon, après, j'ai toujours des discours un peu nuancés parce que, en tout cas, je parle de l'Asie là, hein, parce que franchement, je sais pas ailleurs, mais ouais. Pour l'Asie. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais mm-hmm. La sexualisation des femmes là-bas et des gens tout court, elle se fait très jeune. Ça, j'ai entendu, donc, ouais. J'ai souvent entendu. C'est-à-dire que oui, c'est des enfants pour nous, dans notre perception, et ça, c'est dégueulasse qu'un blanc, quelqu'un qui a cette culture, comme la nôtre, là, en Suisse, mm-hmm. ait consciemment couché avec des gens qu'il considère comme être des enfants. Ça, c'est dégueulasse. Oui. Voilà, ils profitent de mais ça. Mais après, ouais. Fort heureusement, pour ces gens-là, mm-hmm. Ils auraient eu une sexualité quand même, peut-être pas autant tôt, on est d'accord, hein, mais quand même relativement tôt dans un monde où il n'y aurait pas eu une intervention blanche. D'accord, ouais. Ouais, ouais tout je à fait. Je sais pas si ça fait sens. Que oui, je non, dis, je mais... vois. Je vois, ouais. Parce que par exemple, quand je vais en Asie et tout, la dernière fois que j'y suis retournée, j'avais 19 ans, mm-hmm. Et ils me disaient, mais t'as pas d'enfant. Ah, exactement, pas d'enfant. Un truc de blédard en fait. C'est un truc de blédard, c'est un truc de blédard, ok, mais à 25 ouais. Ans, c'est trop tard, genre ma fille. Quoi, hein. Il y a déjà des meufs, ouais, 17 ouais. Ans, elles ont déjà des gosses hein, dans nos pays. Même avant. Ouais, clairement. Même avant. C'est vrai qu'il y a un. Ok, je sais pas, c'est quand même pas à ce point-là. Ah ouais, ouais, alors ouais, moi, non, dans alors, ma famille, quand même, ouais. Sauf dans les petits villages, tu te maries pas avant 18 ans, tu sais. Puis si tu fais des études, c'est normal que tu attendes la fin de tes études pour te marier. D'accord, ouais. Mais par contre. On est d'accord pour dire que. Ouais, genre. Avant 26 ans, et puis genre aucun. T'as arrêté pas... ta life. Ouais, t'es pas fiancée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Si t'as pas l'excuse d'avoir fait les études, ouais. Tu fais quoi? Ouais, en fait, ouais, exactement, complètement. C'est que la bah oui, un peu c'est plus ça. Non, non, alors nous, c'est vraiment très tôt. Ouais. Bah au Japon, la majorité sexuelle, c'est 13 ans, j'ai ouais, cru. C'est ouais, c'est possible. Où il y a vraiment une autre culture de l'approche sexuelle et tout. Ouais, exactement. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans les Sims? Ah, ils font trop crack. Lol. C'est pour ça que mon père nous a acheté le jeu sans dire ouais. C'est dans le jeu qu'en vrai. Ouais, clair. Exact. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là quand tout même. Tout à fait. Il faut tout le à prendre fait. En considération. Du coup, c'est instrumentalisé par les blancs qui c'est aimeraient ça. Profiter c'est de pas, ça. Ouais. C'est pas, je suis pas en mode non, non, d'avoir un nuances. Discours dédramatisant parce que c'est dramatique, ouais. Mais il y a quand même ce facteur à prendre en considération clairement. Si tu veux vraiment avoir une vue globale clairement. Du problème. Ah, mais le truc, c'est justement, comme on avait dit dans l'autre épisode avec Natacha, ouais. Ça ne change pas le fait qu'il y ait. Je sais pas, une forme de racisme ou de colorisme ou des préjugés entre personnes racisées, mm-hmm. Ça ne justifie en rien la domination raciale et toutes les discriminations qui mm-hmm. sont faites par les blancs sur les personnes mm-hmm. racisées. Tout à fait. Donc c'est sûr, pour moi justement déjà c'est pas forcément le même niveau, c'est pas forcément exactement le même phénomène, et puis et surtout l'un justifie absolument pas l'autre en fait, ouais, les deux c'est de la merde quoi. C'est vrai, c'est vrai. Clairement. C'est juste qu'on peut faire quelque chose par rapport aux gens qui sont ici, on peut difficilement aller changer... Non, on t'a été de quelque part où on n'habite même pas, et ouais, puis voilà quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai que du coup, il y a ce facteur où, ma foi, cette perception, en tout cas pour les Asiatiques, pour ma part, cette perception, elle les présente ici et là-bas. Et là-bas, ouais. Vraiment. Tout à et fait. Et puis pour ici, du coup, mm-hmm. une anecdote d'un truc. Alors j'étais. Ça, c'est l'anecdote, je pense, qui m'a le plus fait mal, je pense. Okay. Mm-hmm. Vraiment. J'étais avec des gens que je venais de rencontrer en vacances, c'était tous des Suisses, on était dans un appartement, on s'amusait, on était en train de boire et tout. Mm-hmm. Et là, il y a un mec qui vient du palier d'en face, qui était aussi Suisse, ouais. Pur hasard, okay. Qui est venu
qui s'est installé, genre, c'est chez lui, tu vois. Ok. Et je voyais que c'était un homme blanc. C'était un homme blanc. C'était un homme blanc. Il s'est assis, vraiment, le gars qui s'est installé, genre, tranquille, tu vois. Ouais. Et me regardait. Et à un moment donné, et attendez, là, je dois prendre mon élan pour le dire tellement c'est violent, parce que je trouve que c'est tellement pas naturel de dire ça, que je dois prendre mon élan, je dois réfléchir. C'est fou. Et il m'a dit, toi, avec ta grosse bouche de chinoise, je suis sûre que t'aimes sucer des grosses bites. Putain. La violence. Un blanc, t'as vu, j'ai dû prendre mon élan. Il y a eu un blanc, vraiment un blanc, mais plus personne n'osait parler. Et c'est pas ce blanc qui m'a gênée, c'est même pas ce commentaire qui m'a gênée, c'est que j'étais quasiment qu'avec des hommes. C'est-à-dire que le public autour était masculin, ouais, blanc. Ouais. Oui, il y en a pas un qui a bougé. Bah voilà. Voilà. Le boys club. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait mal. C'est la solidarité à la fois masculine et blanche. Exactement. Je me suis sentie tellement humiliée en fait. Et c'était donc dans ouais, ce groupe de gars, il y en avait un que je fréquentais. Hein. Il a rien dit. Parce que quoi? Parce que c'est normalisé ou parce que c'est tellement explicite? Mais moi je pense que c'est ça. Exactement. Il y a même pas de ça percute pas dans leur tête. Ça percute pas que. Là, on touche un terrain vraiment. Ouais. Et puis, ils préfèrent ne pas défendre, je sais pas. Ouais, ils évitent la confrontation. Exactement. Tes sentiments, etc. à toi. Ouais. Parce ouais. que ça voudrait dire aller à l'encontre de quelqu'un qui est. Enfin, je sais pas, dont ils se reconnaissent la communauté. Enfin, c'est je sais ça. Pas, bon, c'est blanc. Vraiment ça. Et ouais. c'est exactement incroyable. Ça. Tu sais, c'était juste un dommage collatéral. Ouais, et puis, oh mon dieu, c'est ça. Ouais. Et le gars a insisté Putain. Plusieurs fois. En fait, j'étais tellement choquée que j'ai pas réussi à répondre. Et sur le moment, tu sais pas quoi dire. Hein. C'était tellement gratuit, ça sortait tellement de nulle part que j'ai pas réussi à dire quoi que ce soit en fait. Genre le silence sidéral. Exactement. Et en plus, non seulement tu prends cette remarque, mais en plus personne bouge. Donc c'est vraiment, tu t'en prends deux fois plus dans la gueule. Ça, et après, finalement, il a quand même été bien lourd pendant 5 minutes. Ouais. Je pourrais même plus dire qu'est-ce qu'il a dit exactement. Et c'est un des gars qui était présent qui l'a sorti. Et devinez quoi? C'était le seul mec qui était pas suisse. Mais voilà. Mais non. Merci. Le gars était kosovar. Et après, on vient souvent dire ah ceux qui harcèlent, c'est les racisés, pas c'est les étrangers. Ou les étrangers. Je suis désolée, personnellement, les personnes qui ont fait les choses les plus graves, c'était des hommes blancs. Donc j'ai des gars qui me cassent les couilles sur des personnes racisées dans la rue. Oui, ça, c'est mais sûr. En général, c'est plutôt ça gronde plus que ça morte. Ouais, exactement. Alors que justement, l'inverse des hommes blancs qui m'ont saoulé, c'est vraiment alors très genre discret, c'est s'ils sont sûrs de pas se faire choper. Ouais. Et par contre, voilà. Que je vais t'obliger littéralement à m'embrasser, je vais essayer de enfin tu vois des trucs graves quoi enfin, donc vraiment arrêter grave, d'essayer de mettre le harcèlement de rue sur les personnes racistes ça n'a aucun sens en fait c'est voilà tout, c'est pas du tout que ça en tous fait les ça hommes n'a rien font à ça voir. Ouais c'est il y en a on ouais. le dit clairement mais c'est pas du tout que eux en fait ouais et puis quand ils en parlent c'est instrumentalisé à leur c'est vraiment pour pointer du doigt les personnes racisées parce qu'ils ont une... Et puis c'est se déresponsabiliser. Et voilà, exactement. C'est pas du tout productif. Genre, on s'en tape, en fait. C'est pas le sujet. Et surtout, c'est même pas vrai. Ouais. En plus, c'est pas vrai, clairement. C'est pas vrai que les hommes blancs font pas de harcèlement. Tout à fait. D'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Bah, trop désolé que ça te soit arrivé. Vraiment, dégueulasse. Si j'avais été là, mon Dieu. Mais en vrai, c'est une bonne chose parce que ça fait un peu une sorte d'électrochoc. J'ai eu de la chance parce que, comme je disais, moi j'ai un environnement privilégié, je suis totalement consciente, c'est vrai, tu vois. C'est vrai, ouais. Ce qui fait aussi que j'ai pas été très confrontée à ça. À ce genre de choses. J'étais confrontée à ça quand j'avais 14-16 ans. Ouais. Après, c'est un peu passé. Ouais, ouais. Et en fait, malheureusement, c'est revenu maintenant. Depuis 23 ans, comme as. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être qu'on te renvoie moins souvent à tout ce qui est considéré comme ta race parce que tu as les codes blancs. Beaucoup. Ah ouais, je pense. Oui. 100%. Clairement, du coup, 100%. Les gens se disent, ah, c'est bon, c'est lui. Ouais, elle a assimilé, ça va. Ouais, je suis dans ma zone de confort avec elle. Ouais, quand même. Exactement. Ouais, ça, puis ils oublient, du coup, Alors que vraiment, on n'a pas les codes blancs. Mais à part ça, je pense qu'il y a un vrai problème parce que la plupart des gens que je connais qui sont des racistes notoires, hein, qui se le disent, qui s'avouent totalement racistes. C'est vrai qu'il y en a un. Quand ils ont des commentaires racistes, puis que je suis là et que je leur dis, mais attends. Enfin, t'entends ce que tu dis, en ma présence, c'est quand même chaud, enfin, un peu de respect. C'est limite, C'est un peu de respect quand même. Ils sont là, mais je comprends pas parce que... Tellement. Mais toi, t'es pas comme les autres. Exactement. Pff. Et ça, je trouve ça gênant parce qu'en fait, on me met dans une case entre deux où
je suis acceptée par des trous ducs. Oui. C'est exactement voilà. Ça. C'est exactement. Parce que tu es l'exception. T'es l'exception qui est suffisamment blanche à l'intérieur pour qu'on t'accepte. Ouais. Nan, nan, nan. Tout à fait. Là, tu vois, je suis le pote de quand un raciste dit ouais, mais tu sais, moi je suis pas raciste. Voilà. Je suis pote. Ouais. C'est moi. Putain. Bah voilà. Enchantée. Ouais. Ouais, on te reconnaît, on te voit, ouais. Et on te juge. Un peu l'infiltré, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est gênant parce que t'as un peu pris en porte-à-faux. Bien sûr, pas, t'es genre, mais arrête de. Ouais, est-ce que tu essaies de me faire partir dans ton racisme? Exact, mais c'est vraiment ça. Genre, je ne veux pas prendre part, laisse-moi tranquille. Le sentiment que t'as finalement, c'est un peu celui-là, c'est de participer malgré toi. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est clair que je pense qu'ils sentent moins à l'aise de faire ça devant Faye et moi parce que. C'est déjà arrivé. Ah ouais, okay. Genre certains Suisses se permettent de faire du coup des commentaires xénophobes sur par exemple les Français ou bien bien sûr. Voilà, et puis t'es genre mais genre si il dit ça devant moi mais qu'est-ce qu'il dit sur les noirs entre eux c'est souvent ce que je me dis parce que moi c'est des trucs abusés genre je sais quoi cette haine des Français, je ne comprends pas. Mais franchement, je sais pas. Très ouvertement assumé, ou des Portugais, ou. Mais je dirais, franchement, ceux qui prennent le plus cher, c'est les Kosovars et les Français. Exactement, les Kosovars, les Français et les Albanais. Ouais. Non, mais. Ouais. Violent. J'ai entendu des trucs, mais genre abusés. C'est vrai. Puis on dirait qu'ils se permettent de dire, parce que, bah, du coup, apparemment, je suis pas Kosovar, et puis. Ah oui bah, voilà, on peut. Du coup, voilà, c'est ça. Déverser ma haine, mais bon, t'es pas plus dedans, toi, ce sera un autre jour. Exactement. Je t'ai dit truc quand tu seras pas là, ça. Mais bref, c'est donc, assez étrange, d'accord. Surtout que j'ai aussi entendu, je sais que les femmes asiatiques sont extrêmement hypersexualisées, et justement, paradoxalement, les hommes asiatiques sont justement sous-sexualisés. Mais déshumanisés, c'est abusé. Et vraiment, et ils ont justement regardé sur Tinder, sur ces trucs, que les femmes asiatiques étaient les plus recherchées, et les hommes asiatiques étaient les moins recherchés. Donc, il y a ce double pendant. Je suis totalement d'accord. Bah, moi, j'ai mon petit frère qui est du coup asiatique. Bon, après, de nouveau, c'est la même problématique. Il a le comportement d'un blanc, et... Il est eurasien en fait, donc forcément. Enfin, il est asiatique, mais il correspond encore aux critères de beauté. Voilà, aux critères de beauté un peu européens. Il est grand, assez blanc de peau, un peu bridé mais vite fait. Beau gosse, pas trop asiatique, mais pas trop. Non, mais c'est vrai. Il correspond pas à l'image de l'asiatique un peu traditionnel que t'attends, tu vois. Clairement. Et mais c'est clair, c'est clair. Ouais. Autant moi j'ai galéré parce que on me sexualisait, autant il a galéré parce que il n'était pas sexualisé en fait. C'était le bon pote ou le bon, enfin tu sais le troisième genre quoi. Ouais. C'est ça. C'était ça. J'avais pensé à dire ça. Ouais. Mais c'est trop. C'est terrible. Puis du coup moi justement j'ai une question pour toi Faye. Je me dis que tant qu'à parler de fétichisation, je sais qu'il y a énormément de fétichisation des femmes noires. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert dès que j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Ouais. Parce que premièrement, ce que tu subis en tant que femme noire, c'est que tu ressens le dégoût des hommes. Genre, ils sont dégoûtés par toi. Franchement, c'est fou. Mais c'est parce que, ben, du coup, ben, tu corresponds pas aux canons de beauté qui sont présentés dans les médias, dans la presse, dans la mode, tout ça. Ouais. Genre, t'es pas en première page de couverture, c'est pas des femmes noires et tout. Ouais. Et du coup, dans la scène du dating, au début, ça va. On y reviendra. Mais justement, au début, quand on commence à se développer, puis tu sais, c'est les premiers flirts, quand tu commences à tomber amoureux, t'es hyper self-conscious de ta personne parce que tu dis ah putain mais attends je suis une femme noire et du coup je suis pas du tout les gens sont pas attirés par moi en fait tout simplement et quand t'as grandi dans un environnement majoritairement blanc c'est normal que ton love interest sont souvent des hommes blancs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Bah oui, mais voilà, c'est normal, vraiment. C'est pareil pour nous. On est d'accord. Sauf que, je me retrouvais pas dans leur goût, quoi. Donc, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup complexé, ma couleur de peau. Je dis, je ne suis pas attirante. Et j'ai déjà entendu des commentaires, non seulement genre transphobes, dans le sens où, ah, toi, t'es une femme noire, du coup, t'es un mec. I know that. Voilà, non mais abusé. I know that. Et puis c'est transphobe dans le sens où. Ouais, pourquoi c'est pas cool pour les personnes trans
de les instrumentaliser et d'utiliser leur identité pour t'insulter, tu sais. Genre, il n'y a personne qui gagnait dans cette histoire. Là, c'est un sort de beau non, mais c'est la... Exactement, c'est la totale. Ouais, donc, ouais, plein de fois, genre, on m'appelait Snoop Dogg. What? Ou bien, non, mais vraiment des trucs... tellement méchant. Hyper méchant, hyper. Ou bien, bon, le Jackie Chan, je le connais aussi. Voilà, ouais, mais exactement, genre des trucs, mais... Jet Li et tout ça, on connaît. Vraiment. Genre, au début, c'est genre, vraiment, soit t'es une personne androgyne, parce que t'es une personne noire, et puis la femme noire, souvent elle est masculinisée. Ouais. Voilà, ouais, exactement. Elle est déféminisée parce qu'elle est noire, elle est censée être forte, elle a un fort caractère, ouais, elle a des attributs qu'on considère au genre masculin. Mais c'est clairement l'inverse de nous. Mais c'est abusé. Oui. Les deux extrêmes. C'est de nous. Abusé, vraiment. Ouais, c'est vrai. Après, bien sûr, tu atteins la puberté, tu commences à avoir des formes, tu commences à te mettre en valeur, et là, c'est la jungle fever. Ah, mais là, attention, t'es bonne qu'à être baisée. Et rien d'autre. Ça, je suis d'accord. Genre, combien de fois on m'a dit, franchement, Faïza, t'es trop excitante, mais je vais pas faire de toi ma femme, ouais, quoi. Clairement. Mais pour un coup d'asseoir, il n'y a pas de souci. Vraiment, tu es mon fantasme, vraiment. Mais ça, c'est le pendant d'une trop grande sexualisation, c'est vrai. C'est que les hommes vont pas penser une seule seconde. Déjà, ils te considèrent pas du tout au sérieux. C'est ça. Pour les deux cas, tu sais. Voilà. Et ils sont juste en mode, voilà, je te saute et... Et ciao. Et ferme ta gueule. Vraiment. C'est vraiment, il n'y a pas de... Vraiment, bah oui, parce que tu n'es qu'un objet. Voilà, c'est ça. À la fois ça. Pour être femme, à la fois pour être racisée. Exactement. Donc forcément, exactement. C'est acceptable. En fait. Exactement. Mm. Et du coup, j'irais même encore plus loin. Je pense qu'on a hérité de certains réflexes coloniaux, en fait, c'est genre les hommes blancs et les femmes blanches aussi, on a du racisme, les femmes blanches, les femmes racisées, on a un racisme internalisé, bien sûr. Et du coup, et les filles, ça faut dire ce qu'il en est, je sais que certaines femmes racisées, quand elles savent qu'elles sont l'objet d'attraction des hommes blancs, elles se sentent hyper flattées. Ouais, c'est vrai. Vous imaginez, genre, en tant que femme racisée, genre, les hommes blancs nous kiffent. C'est genre, non mais... Ah oui, non mais j'ai ressenti ça. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, pareil. Parce que quoi? Parce qu'on est humanisé. On est juste humanisé, enfin. Ben, aux yeux de l'oppresseur, de cette classe de personnes qui sont au-dessus de l'échelle sociale. C'est... Moi, j'ai jamais eu ça. Ouais, alors moi j'ai eu ça clairement. Moi, genre un homme blanc qui me regarde, mais attention. Ah, moi, pas du tout. Vraiment, bah bon, en même temps, de nouveau, le contexte il est différent. Voilà. Tu vois, moi, je suis née au milieu de blancs et ils sont là. C'est genre, ça, genre, c'est ça. Pas. Ouais, et puis quand on t'a dit depuis toute petite, t'es dégueulasse, tu ressembles à un mec, tu pues, t'es un singe. Puis tout d'un coup, en fait, non, t'es magnifique, je fais tout pour avoir lui pour toi. T'es genre, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu vois le genre, le. Exactement, vraiment. Puis t'as plusieurs personnalités, tu sais, t'es genre. Ce truc de vraiment te ressentir, moi, pendant longtemps, tu te rappelles quand on était ado. Ouais. Genre, pour nous, les hommes beaux, c'était les hommes blonds, yeux bleus. Exactement. Ouais, et pourquoi c'était ça? C'était parce que du coup tu étais acceptée par la blanchité. Tu t'intégrais au travers d'un homme qui te valorisait, qui disait oh, tu es belle, nanana, machin. Complètement. Et du coup, quelque part, c'est que ah, alors même si je suis pas blanche, je suis quand même appréciée par les blancs. Ouais. Et quelque part, ça me rend un peu plus blanche. Mais oui, tu vois. Exactement. Genre, ah, je suis l'une des vôtres. Alors que t'es humanisée. C'est non, ça. Mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, t'as internalisé vraiment ça. Et c'est ça. Et voilà, complètement. Donc, d'un point de vue de racisme internalisé et de tous ces réflexes genre post-coloniaux, il y a ça. Et puis ça, il n'y a personne qui en parle. C'est hyper tabou. Hein. Ouais. Mais il faut dire ce qu'il y en est. Non, il faut aussi raison. Un peu se... Genre, moi, j'ai vraiment commencé à déconstruire tout ça, surtout dans le sens où, genre, j'arrête de me sentir coupable, en fait. Genre, j'ai pas eu le choix de grandir là. J'ai pas eu le choix de grandir dans un environnement où il y a majoritairement des blancs. Et c'est normal que toute ma personnalité se construise autour de ça. Donc, dans un premier temps, accepter ça. Et dans un deuxième temps, déconstruire ça. Et ça veut dire quoi? C'est aussi, ben, apprécier les hommes noirs. Vraiment, genre, arrêter aussi de les regarder comme des gens qu'on peut pas désirer. Parce que ça aussi, c'est le deuxième pendant de ce racisme internalisé. Oui. Genre, ah non, moi je sortirais pas avec des hommes noirs parce que ça me rappelle trop mon père ou mon frère. Oh, mais est-ce que les blancs disent ça? Est-ce que moi, les blancs disent ça? Tu vois, vraiment, c'est un truc de ouf ce que tu et dis toi, parce que moi j'ai mon père qui est blanc, aux yeux bleus. Blanc aux yeux bleus. Ouais. Ça, c'est mon père. Ouais. Et moi, je cherchais ça quand j'étais enfant, mais pas. Je pense pas que c'était un réflexe
colonial, tu sais. Du tout. Je pense que je cherchais juste le syndrome d'Œdipe, quoi. Exactement. Je cherchais mon père. C'est ton père. Et moi, pas du tout. L'inverse de mon père. Pas du tout. C'est dingue. C'est complémentaire. Et je pense que je cherche toujours un peu mon père, mais comme, enfin, je sais pas comment dire, comme presque tous les blancs, en vrai, ce syndrome d'Œdipe, il est principalement chez les blancs. Exactement. Tu vois. Ouais. Bah, moi, je sais pas. Enfin, je dis pas que. Je sais pas comment dire. J'ai jamais. Je me suis jamais dit, ah ouais, non, je sortirai pas avec un noir ou avec un asiat ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Je me suis jamais dit ça et j'ai jamais été en mode, il me faut absolument un blanc. Pas du tout. Ouais. C'est vrai qu'enfant, comme j'avais cette image de mon père et tout, je cherchais des gens qui ressemblent à mon père. Surtout quand on a un très bon rapport, lui exactement. Et moi. Exactement. Ce qui fait que forcément, ça aide, tu vois. Surtout les filles. Quand on était petites, il n'y avait aucune représentation de femmes, de nos phénotype qui était véritablement valorisé. Non mais aucune, mais exactement. Parce que il y avait tellement peu je veux dire, même tu regardes les dessins animés, les princesses, c'était qui, surtout quand on était petit, c'était tout le temps des petites blondes yeux bleus. J'ai eu Mulan. Ouais, Il y a Jasmine. Moi, il y a rien du mille tout. Ans plus tard. Alors là, les gars, c'est la serveuse qui apparaît pendant 30 secondes dans le Disney. Mais même, tu sais, justement, c'était tellement tout le temps des gens. Mais bien sûr. C'était tellement rare que moi j'ai grandi en me disant, ah mais, enfin, d'un côté ma mère me dit toujours que j'étais jolie et puis chez nous, genre on adore se trouver jolie du coup, tu sais, voilà. Mais quand j'allais dehors, j'étais roi à une image comme quoi je ne correspondais pas aux stéréotypes, enfin aux standards de beauté occidentaux. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais moche. Mais tu sais que moi aussi, pendant longtemps, j'étais persuadée. Juste parce que je correspondais pas à cette image de beauté là. Et puis toutes les filles de ma classe, qui étaient blondes, yeux bleus, cheveux lisses et tout, pour elles, pour moi, c'était des filles jolies, ça. Ça, c'était être une fille jolie. C'est et moi, c'était être une fille moche. Marrant, puis j'acceptais, je dis, bah, c'est ma vie, quoi. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand t'as grandi dans cet environnement. Je sais pas comment dire, genre neutre, genre de neutralité blanche. Ouais, mais par contre, t'as abusé parce que ça veut quand même dire qu'il n'y a pas. Enfin. On t'a pas contrasté, on n'a pas miroité ta différence et tout. Et en même temps, aussi, qu'il y a une responsabilité des parents, tu vois. Ouais. Ah oui. Qu'il y a une responsabilité des parents. Parce que. Complètement. Je suis consciente que j'ai pas le physique d'une blanche, etc., machin. Mais en même temps, j'ai jamais ressenti tu vois, le fait de pas être désirée, le fait d'être désirée que sexuellement. Oui. J'ai ressenti, hein. Ouais. On est d'accord. Mais je me suis jamais sentie pas jolie. Voilà. Ouais. Tu vois? Bah, moi, c'était plutôt quand j'étais justement en primaire, je dirais. Peut-être encore un petit peu au CO. Mais après, justement, après, il y a l'inverse qui se passe. Oui, oui, oui. T'es censée être super exotique. Trop excitante et bonne. Voilà. Parce que t'es pas comme les autres. Ouais, c'est ça. Juste parce que t'es pas blanche, en fait. Ouais. Et là, en fait, c'est les deux extrêmes. Soit t'es un laidron savasse. Vraiment? Soit tu n'es qu'un objet sexuel. Voilà. Mais t'es jamais juste une personne, en fait. C'est ça qui est dérangeant. Exactement. C'est hyper dérangeant. Après, justement, pour ce qui est de la fétichisation des femmes orientales, ça fait vraiment pas longtemps du tout que je me pose la question. Parce que je me rendais pas compte du tout, déjà. Et puis, c'est vrai que c'est un entre-deux, en Suisse surtout, qui est un peu moins représenté. Ouais, alors ça, je suis convaincue. Je ne sais pas exactement dire pourquoi. Et du coup, en fait, c'est moins évident. Parce que, justement, des trucs... la chinoise, j'ai pas des choses comme ça. Pareil pour les femmes noires de nous masculiniser ou des choses comme ça, j'ai pas eu ça. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai essayé de réfléchir justement, c'est quelques jours, et je me suis dit, mais j'ai quoi qui était explicite là-dessus? Bon, le nombre de fois, on m'a dit que j'étais exotique. Clairement, bon, ça, voilà. Je pense qu'on te le dit à toutes mais les ça, sauces. C'est juste être racisée. Mais c'est vrai que moi, c'était plutôt essayer de toujours m'assimiler à la culture arabe. Alors que je rappelle, je suis kurde et je suis pas arabe. C'est même pas la même racine, c'est pas la même chose du tout. Du tout, c'est pas la même ethnie, c'est pas les mêmes origines, ça a rien à voir. Et du coup, donc en plus c'est un amalgame et puis ça montre qu'il y a l'ignorance. Ah ouais, mais souvent, ça, l'amalgame, c'est blessant. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que toi, moi je pouvais pas me reconnaître en Yasmine fait. En plus parce oh que là là. Ça a rien à voir avec ma culture. Tu vois. Et du coup, c'est vrai que les quelques trucs moi qu'on m'a sortis, c'était souvent je sais pas, un truc qui m'a assez marqué, c'était genre avec le voile. Genre en mode tu portes pas le voile? Non, en mode tu serais sexy avec moi. Oh mon dieu, mais oui. Ou bien j'aimerais bien que tu te voiles et j'enlève ton voile. Ouais. Ah, mais il y a des mecs, ils ont clairement un fétiche là-dessus. Hein. Et tu vois, j'étais un petit peu bah non merci. Ou bien mettre des vêtements en mode, tu vois, danseuse du ventre. Alors, je rappelle, dans mon bled, tu fais la danse du ventre, ça va pas du tout socialement. Ça va pas trop. Ouais. Donc,
Non, il y a pas ça aussi. Et puis justement, genre en mode ah fais ça ou je sais pas quoi. Ouais. Mais en fait, je suis pas une attraction quoi. Ouais, enfin, exactement. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques fois ça, mais c'est pas hyper souvent. Et le truc c'est que souvent, tu vois, le fait que tu es noire, on voit que tu es noire. C'est flagrant. Et puis voilà. Bien sûr. Et il y a tout cet amalgame en mode t'es noire. Bien et sûr. Ils s'en foutent un peu de quel pays tu viens des fois. Ouais. Toi, le fait que tu es asiatique et que tu es typée asiatique, c'est aussi un peu les mêmes conneries en mode Totalement. Ah bon, t'es asiatique. Ouais. Alors que moi, des fois, on confond quelquefois. Enfin, souvent, les gens ne devinent pas que je suis kurde. Déjà, ils savent même pas. Kurdes, mais ils savent. Voilà. Et du coup, souvent, on va penser que je suis maghrébine. Donc, je suis soit marocaine, algérienne. Mm-hmm. Ou, des fois, tout d'un coup, je suis latina. Je suis de, je sais pas quel pays d'Amérique du Sud. Latine, souvent, des fois, je suis italienne. Ouais. Des fois, je suis espagnole. Ouais. Donc, je pense que c'est plus diffus. Juste parce que, peut-être si j'avais le visage encore plus cliché là-dedans, je sais pas à quoi ce serait. Clairement. Mais si j'étais encore plus typée de ouf. Ah bah peut-être que j'aurais encore plus eu ces choses-là, sans doute, tu vois. Tout à fait, bien sûr. Comme par exemple ceux qui traitent les femmes maghrébines de France de beurrettes. De beurrettes, voilà, des trucs hyper... fétichisation un peu de malsaine autour de ça. Ouais. C'est vrai que je pense que c'est peut-être plus diffus pour moi, parce que bah, je les confie, ils savent pas dans quelle catégorie me ranger, quoi. Clairement, c'est ça. Ouais. Mais toi, tu voulais parler aussi juste encore peut-être du... porno, je crois. Alors, peut-être qu'on le mettra dans l'épisode bonus, mais c'est vrai que je voulais dire que nos identités de race, elles sont beaucoup exploitées dans le monde du porno. Genre, quand tu vas dans la barre de recherche et tout, et que tu tapes... je l'ai jamais fait, on sait qu'il y a de toute façon les catégories. Voilà, les catégories chaque fois raciales. C'est exactement ce que je voulais dire. Il y a des putains de catégories sur des races. Bah et puis, c'est fou quand même que ça choque pas tant que ça. Noir, mais il y a des trucs très spécifiques, les meufs. Hein, petite asiatique, vagin serré, petit sein. Yes. Ou grosse femme noire, gros cul, gros sein. Voilà. Grosse auréole et tout. Non, mais des trucs souvent vraiment... pour les orientales, elles sont faussement voilées, et après dévoilées. Exactement. Exactement. Et le vice, il va encore plus loin. Genre, il y a des roleplays, des trucs où c'est une femme noire qui est dans une situation un peu d'esclavage et tout, puis c'est un homme blanc dominant. Après, c'est toujours... Enfin, les pornos, ils sont toujours reliés à cette image... un peu cliché que t'as, toi, tu vois, c'est ça, c'est le voile, exact. Toi, c'est l'esclavagisme, exactement. Moi, ce sera une écolière, frère, tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est fou, mais c'est vraiment ça. C'est juste que, sur le porno, il y a plus la censure que les gens se mettent dans les tous les jours. C'est ça. Et c'est du ça. Coup, toutes les discriminations à la fois genrées et raciales, mais elles sont alors paroxysmes. Mais complètement. Sans complexe. Et puis moi, c'est un truc qui m'a quand même fait un peu réfléchir, genre... Du coup, quand je vais dans la rue et que je croise des hommes, et des fois que je sens leur regard sur moi, je me dis, mais attends, mais peut-être qu'ils tapent sur mais tu vois, combien d'hommes qu'on fréquente dans la vie de tous les jours s'en mettent plein la vue sur les sites porno, en fait, sur des trucs hyper graves. Je vais donner un exemple, j'étais au collège, et on avait fait une soirée chez un pote, oh, mais Dieu, et je sais pas exactement pour quelle raison les potes... avait mis la main sur son ordi et voulait mettre de la musique ou quoi, mais ça partait vraiment dans bonne intention, très innocente, très normale, pas du tout raciste. Et en fait, en ouvrant l'ordi et tout, ils se sont rendus compte que le gars était sur un site de cul et qu'il avait cherché que des trucs en rapport avec des asiatiques, et j'étais là genre oh mon Dieu, c'est trop gênant. C'est normal, non, mais franchement je savais plus quoi. J'avais plus quoi lui dire, quoi. J'étais un peu là, c'est fou. Non, vraiment, c'est gênant. Je comprends que tu peux avoir des préférences, je comprends, mais où est-ce qu'on met la limite, en fait? Où est-ce qu'on met la limite? En fait, il faut se poser la question, quand tu n'as qu'un seul type de personne... Exactement. C'est quoi ton problème? Enfin, ouais, non, mais vraiment, c'est un peu... Exactement. Parce que c'est pas le but de se dire... ah non, il faut jamais s'intéresser aux femmes racisées, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Mais c'est juste de les voir comme des personnes et de pas s'intéresser à elles pour leur dite race. Ouais. Mais justement parce que c'est des personnes, en fait. Tout à fait. Et c'est ça le truc. Et si justement, tu t'as dit, si un gars, son type, c'est que les femmes noires, il y a un problème. Quelque part, il y a peut-être une fétichisation, il y a quelque chose. Mais même, c'est gênant parce que ça veut dire que... Tu pourrais le prendre bien en disant « Ah, je suis son type, je suis jolie, blablabla. » C'est la piège. Tu pourrais. Mm-hmm. Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment gênant parce qu'il t'a pas choisi, toi.
Exactement. Il t'a pas choisi, toi. Ouais. Il a pas choisi quelque chose qui te correspond. Ta personne, toi, en tant que femme, avant tout, exactement. Ouais. C'est vraiment, non, il a fait son. Le gars, il a juste checké comme ça vite fait à quoi tu ressemblais. C'est ça. C'est bon, tu rentres dans les critères. Exactement. Et puis que tu sois conne ou très sympa. Peu importe. Et il y en aurait 100 d'autres des comme toi, il verrait aucune différence. Ouais, parce que t'es noire, parce que t'es asiatique, parce que t'es orientale. Et c'est vraiment. Et c'est vraiment, c'est très grave parce que du coup, on peut clairement dire que pour moi, la fétichisation, c'est une forme de racisme. C'est une forme de racisme. Ah, clairement, clairement. Et les gens percutent pas toujours. Genre, ah, mais non, j'ai juste un fétiche très sympathique, nanana, c'est innocent, c'est cool, c'est fun, c'est juste en rapport avec la sexualité. Non, c'est raciste. Ouais. C'est très réducteur. Ouais. Et petit rappel important, c'est pas parce qu'on sort avec une femme racisée qu'on n'a pas des biais racistes et de la fétichisation. C'est vrai. Et ça, on va en parler. Ça, on va en parler. C'est hyper important de se le rappeler aussi. Mais meufs, c'est même souvent, c'est carrément l'inverse en fait. Je te jure, je peux te dire vraiment que dans la majorité des couples interraciales, il y a forcément eu, à un moment donné, un incident raciste. Clairement, clairement. Ah, c'est sûr. Et le plus tôt on en parlera, mieux ce sera. Et c'est pas, clairement. Et à nouveau, c'est pas une condamnation, oh non, ils sont méchants, nanana. Il faut juste se rendre compte, à un moment donné, qu'on fait une connerie, que peut-être qu'on se rendait pas compte, etc. On se remet en question, on s'excuse et on déconstruit et on fait en sorte de plus le refaire. Ouais. Puis c'est tout, quoi. C'est ça, on n'est pas du tout exempt de réflexes racistes et tout. On a grandi dans un monde profondément raciste, post-colonial. Donc c'est normal qu'il y a plein de choses qui en découlent, même à l'intérieur, au sein d'un couple. Ouais. Et faut plus que ce soit tabou, en fait. Faut dire ce qu'il en est, quoi. On a juste oublié de parler d'une association dont fait partie Anna, qui s'appelle Les Amis de Tisane. Alors, les Amis de Tisane, en fait, c'est une association qui est née en parallèle à une autre association qui s'appelle Helviette. Et Helviette, son activité principale était dans tout ce qui concernait l'adoption. Donc, en fait, c'était une association qui mettait en contact des parents adoptants avec des enfants qui pouvaient être adoptés. Sauf que, au vu de la législation internationale, on peut pas adopter n'importe quel enfant n'importe comment. Et il y a des critères d'adoption, en tout cas au Vietnam il y en a, et ils sont assez compliqués à remplir, ce qui fait qu'il n'y a qu'une petite proportion des enfants qui sont adoptables, comme on dit. Et après il y a aussi le facteur économique, bien sûr, un enfant qui part d'un orphelinat, c'est une bouche à nourrir en moins et de l'argent en moins fourni par la province. Donc voilà, c'est un business aussi, il faut le savoir. Et donc les Amis de Tisane, en fait, leur but c'était de promouvoir l'enfance au Vietnam. Et par promouvoir l'enfance au Vietnam, il s'agissait surtout de fournir une éducation et toutes les ressources nécessaires et de base, en fait, aux enfants qui n'étaient pas adoptables. Et donc, nous, maintenant, ça fait 25 ans qu'on agit sur le sol vietnamien, en parallèle aux autorités vietnamiennes. Et là, actuellement, on a 33 enfants à charge, dans le centre du pays. Et en gros, on prend en charge l'entier de leur vie, c'est-à-dire les locaux, la nourriture, l'école, etc., etc. On a deux universitaires actuellement. On a encore deux enfants qui sont gravement malades et dont on s'occupe aussi. Il faut fournir des soins, ça coûte cher. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Où est-ce qu'on peut trouver l'association, en fait, on peut la trouver sur Internet, c'est très simple, c'est www.tisane.ch. Tisane s'écrit T-H-I-S-A-N. Et puis, ben, tous les dons, tout même... mais même, même la communication autour de cette association est la bienvenue, parce que c'est une association qui est en train de mourir, malheureusement, puisqu'il n'y a plus d'adoption. Avant, les membres de Tisane étaient fournis par les parents, par les grands-parents des adoptants, etc. Mais évidemment, comme il y a quasiment plus d'adoption internationale, notre groupe de membres diminue. Et c'est clair qu'il y a un moment donné où il va falloir se remettre en question, en tout cas pour notre part dans le comité. Alors merci beaucoup d'être venue, Anna, c'était super. Ouais, merci, c'était vraiment hyper cool. Plaisir. Vraiment. Du coup, on se retrouve au prochain podcast. À plus. Ciao, ciao. Merci.